Yo les potes, c'est Even. Écoutez, je vais vous expliquer tout simplement le principe d'un gagnant et certain. En bullfight par exemple, on va prendre deux joueurs, on va les inviter à venir se bullfight et on va les faire ce BF en stream ou quoi. Dès que le match est fini, il y aura un gagnant et un perdant. Le perdant va sortir tout simplement et va s'en aller et le gagnant va rester sur le terrain et jouer le suivant. Après, les deux suivants se rebullfight, le gagnant reste encore sur le terrain, l'autre se retire et on en reprend un sur le chat. Parti les gars et on va repartir sur Badax que nous ne connaissons pas Bah encore. ouais, let's go! Allez, Ah et ça bah, part du coup. moi ça m'a mis sur certi, bon. Ah oui, bah pareil, mais c'est pas grave, on peut changer d'équipier. On peut hop, équipier suivant. Ah ouais, on peut Oula. changer. Ok, bah Yes. c'est bon, let's go. Allez, let's Ok, go, on let's est sur go, Badax. Bavax! Face à certi! Allez, c'est parti pour le moment, ça se boxe, hein, calmement. Ça prend un peu plus son temps que dans le dernier fight. Ouais. Allez, il va Peut-être que les falloir. deux joueurs se connaissent ou. Oui, bien Voilà, sûr. les deux joueurs se connaissent. Donc ça change beaucoup de choses dans le fight aussi. Ouais, là, les deux joueurs se connaissent très bien. Je pense que tout à l'heure, certes, il ne le connaissait pas son adversaire. Ici, il le connaît, hein, je pense. Donc, enfin, j'en suis même sûr. Donc, ouais, Bavax, qui est quand même relativement réputé, il est quand même bon. Donc, on va voir quand même ce que ça va donner contre un Certi qui est vraiment très très fort, qui est sûrement un top manette. Ah oui, niveau manette, certi, très très bon. Si, si là ils reviennent sur le high encore, est-ce que ça fait ça à l'infini? Ou est-ce que genre au Ouais. bout de trois fois. Non, alors ça fait ça à l'infini, sauf que comme tu as pu le voir, la Critical Zone va arriver. Et je te rassure, le fight ne va plus durer longtemps. Ok, d'accord. Et par plus longtemps, j'entends bah normalement 5-10 secondes. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Donc. Là, tu vas voir, regarde les mats en fait qu'ils ont. Tout s'est Ah ready. oui, donc là va falloir pêche quoi. Voilà. Y a pas le choix. Là, tu vois, Ok, ça va être voilà, Certi a fait un intéressant. bad move là, tu vois, par exemple. Parce qu'il vient de monter, alors que bah voilà quoi, ils ont plus beaucoup de maths. Par contre, bah Vaccin qui a pas eu l'opportunité de Oh, tirer. bien anticipé de la part de Certi, il l'avait vu venir. Ouais, magnifique. Ah On va oui, très repartir bon. direct. C'est Ouais, dommage le là pad qu'il n'y en bleu a qui pas l'a là. propulsé un peu, mais il a pas pu reprendre, effectivement. Ouais, parce que là c'était bien réfléchi. Attention, mais oui, très belle balle! Oh, le comeback, cette balle. Alors on va passer sur Wizard du coup qu'on n'a pas encore vu. Allez, let's go. Et est-ce qu'on commencerait pas par Mixu déjà? Allez, commencez sur Comme ta tu le game. souhaites. C'est parti. C'est parti. Allez. Alors du coup, hop, je vais me mettre sur la POV de Wazer. Let's go, c'est Yes. parti. On va voir comment il joue. Est-ce qu'il va avoir justement un gameplay plus agressif que, bah, que le joueur qu'on a eu avant? Ou est-ce que Yes. justement il va pas prendre de risques hein? Wow, il a l'air Forcément, on a cohérent. toujours un peu de pression. En tout cas, il s'est pris une grosse balle là, ouais. Ouais, là il est très très agressif en tout cas de ce que je vois. Oh oui, mais Oh oui, là, magnifique! Certi. Ça fait mal ça en face. On va avoir du mal. Là, faut que Certi, là, faut pas qu'il lâche maintenant. Il le sait qu'il a mis deux grosses balles. Maintenant, faut pas qu'il le lâche. Et là, Wazer, bah lui, il doit assurer. Hein. Il doit mettre une grosse balle en retour pour stopper un peu Certi. Est-ce qu'il aura un peu le temps de se mettre ses mini? Il en a eu le temps d'en mettre une. Et là, ça rentre dans la box Oh là direct. là 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 là, Et il a Rite rien à Wall, dire. magnifique! Certi est arrivé, c'est maîtrisé. Malheureusement, il peut pas faire grand-chose là-dessus. Hein. En effet, écoutez, pour le moment, ça a l'air de plutôt bien se dérouler. Hein, côté du joueur G4B, malheureusement, la petite édite là qui a été loupée. Wazer qui vient de reprendre le high. Oui, attention, par contre, on va pas se faire surprendre sur de belles balles de pompe qui sont en train de fuser côté adverse. Attention. Allez, peut-être un high ground là qui pourrait être récupéré dans peu de temps. Attention, par contre, oui, c'était un magnifique code qui vient Oh, d'être les deux mis! corps à corps! 200! Wazer qui lâche le 200! Oh Let's là là! go! Ça le remet. Aïe aïe, ça choque un petit peu là, va falloir essayer de se remettre calmement, mais Ouh, oui! cette double edit qui remet certi un petit peu dans le droit chemin. Écoute, Et Wazer qui est obligé de se heal là. de se bloquer, attention! Et là, ouais, ils sont low mat, ils sont low mat! Il va tenter de casser, mais ça va être compliqué là, je pense. Ah, il a pas réussi à casser comme il voulait. Oh, il a très bien joué là, Wizer, il a réussi à reprendre le high d'une manière très vive. Oh, Oh attention, mais là oui! là! Cette balle de carabine pour casser la construe et la balle de bombe qui suit derrière, c'était intelligent.
Et ouais. Au final, bah, il remporte le duel. Hein. C'est le premier à faire tomber Serti. Eh bien, écoute. Donc, Wazer, bien joué à lui. Allez, c'est parti, Medou. Let's go, on va voir comment ça se déroule de son côté. Oui, il la cône. Aïe, 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 malheureusement pour lui. Il a pas réussi à le garder hein, dans sa box. Oh, ouais, il vient de se faire surprendre. Magnifique, côté Wazer, attention, peut-être la balle oh, de pont les côté. Deux corps à corps. Tout, c'est dommage. Mais c'est Wazer. C'est oui, Wazer oui. Qui sort vainqueur de ce duel là. Ils sont allés au corps à corps, ça y est. Ouais, tu les vois là. C'est le Lomat là. Ouais, ça allez, part. 33 HP. Je sais pas comment il va faire. Là maintenant, faut qu'il mette le 200. Enfin, faut qu'il mette une grosse balle. Il a pas le choix, c'est sa seule solution. Et il nous a montré qu'il pouvait le faire. Et Medou qui prend la victoire. Let's go. Enfin, hein. Hazard ou Medou. Hazard, Medou. C'est parti, Hazard versus Paris sportif, versus là, c'est parti. C'est parti, mesdames et messieurs. Sache qu'il y en a, ils jouent leur vie hein, sur les prédictions. Bah ouais. Ouais, ouais, ça c'est que moi j'ai déjà été en vogue sur des gros events en tout cas. J'ai déjà été en vogue avec des gens où ça lâche des all-in à toutes les games et tout. Ça crie oh dans là la là vogue là. Et tout. Hein. Vraiment. Il y a de l'enjeu, il y a de l'enjeu. Ça mise tous les points de chaîne là. Let's go. Ouais, attention, attention. C'est des matchs TBC. Attention, côté Medou. Ça, tu peux, Serti, tu peux envoyer un lien. Attention oh c'est Hazard qui vient de gagner. Eh ben oui. Allez, aïe il vient de mettre une gigaballe là. What the fuck. Attends mais. Allez, il vient casser là, calmement Hazard. Et il est en train de full spliff. Attention. La pression là, il y a la pression là. Oh attention. Il a tenté un pre-shot. Le chat en sueur. Hazard qui est dans la zone là pour l'instant, qui va essayer de remonter. Ouais, il a réussi à remonter. Il met bien la pression. Oh, 55 têtes. Ouh, le petit 55 dans la tête. Attention. C'est de justesse, hein. Il est au bord de la zone à chaque fois. Là, il a enfin réussi à remonter correctement. Il me stresse plus que moi. Et ouais, je veux voir. Moi, je veux que Hazard, il mette le 200 à Kara. Ah bah, en vrai, ce serait incroyable. Hein. Ce serait incroyable. Pas de bleu. Oh non, il vient de se faire full air, attention. Ouh, la zone. Un la HP. Zone qui va faire mal. La zone qui va faire mal. 9 HP, 9 HP. 9 HP. Oh, il vient de tomber. On y a cru pour Hazard. Et bah, Medou a gardé ce high constamment et a su parfaitement gérer son duel. Hop là, on va aller sur un next du coup qu'on n'avait pas encore vu. Et ouais, je vais regarder ça, allez. Je vais regarder ça. Alors, ça se prononce comment? Next. Next, ok. Ouais. Ok, ça marche. Allez, je c'est parti. Du coup, c'est Medou qui avait gagné. Medou qui a gagné combien de duels c'est, il en a gagné 3 duels, c'est ça? 2 ou 3? 3, ouais, je crois, 3. Troisième duel de gagné, là. Donc là, c'est son quatrième qui dispute. En tout cas, pour l'instant, c'est celui en tout cas qui est... Bah, qui a le mieux résisté, qui a gagné le plus des duels. Donc le gagnant, pour l'instant, un peu de... De cette soirée, parce que je pense pas que quelqu'un arrivera à regagner autant de duels. Il s'est perdu avec son propre pseudo. Ah, Nace. Attends, c'est Nace, c'est bien ça? Non, là, ça se prononce Next, et il y a un autre dans le chat qui s'appelle Nate. Ah, ok. Oh, par contre, Next, il a un HP. Oh, et sur le full air, il a eu. Ah, et c'est peut-être Next qui va l'emporter. Ça va être tendu là, hein. 14 HP et les dégâts ouais. Chutent. Il vient de tomber. C'est dommage. Et c'est Medou. Du coup. Ouais, du coup, il a win, hein. Bon. Et du coup, on va mettre une nouvelle prédiction. Écoute, alors que nous sommes actuellement sur la preuve de. Attends, hop, Stabilo, voilà. On a Switch. Allez, ouais, on a Switch. Stabilo, let's go. Donc, deux très bons joueurs. Tu m'as dit que ça allait être sûrement un duel serré, donc on va voir ça. Ouais, normalement ça devrait être relativement serré. Et je viens d'envoyer la prédiction, les gars, donc n'hésitez pas. Deux joueurs manettes, c'est ça? Ouais, deux joueurs manettes. Ok. Donc ouais, on va voir ça tranquillement. Je connais très 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 bien les deux. En vrai, je connais très très bien toute la commune un peu, mais... mais là, ouais, non, on va voir comment ça va se dérouler, mais franchement, ça devrait être du très très beau match. Tu vois, toi, Hérisson. Oh, oh balle. Oh, cette balle de Stabilo. Oh, 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 oh shit.
Oh my god! Oh là là là, quelle erreur malheureusement! Ouais, et ça y est, le pot bleu qui vient du coup d'être utile, il est à côté de Medou. Probablement d'une manière très très utile du coup, là on va pas se mentir. C'est Abilio qui va devoir faire attention à lui, hein, parce que là c'est vrai que c'est très close. Et tu vois, c'est dommage, c'est dommage parce que. Il était bien dans ce duel, hein. Dommage. Ah, il était bien dans ce duel. Dommage. Let's go. Allez, allez, c'est en train de full casser là, mais il va falloir faire attention. Ouais. Écoute, oh non, il est tombé. Stabilo qui vient de tomber. Eh oui, en effet. Très bien joué, écoute. Et bien, du coup, ça va partir sur un Medou encore sur le terrain, je crois. Je crois. Gros GG à lui, en tout cas, hein, vraiment. Allez, les gars, c'est reparti. Et on va passer sur ta magnifique bouille. Hop là, alors qu'on va être sur un peu ma Neotix. Bah ouais, Tibia, il y en avait plus trop en ce moment parce que, bah, avec les fêtes et tout, forcément, il y avait plus de live sur la Web TV G4B. Mais là, ça reprend maintenant. Hein, donc, voilà, il y aura. Enfin, je sais pas à quelle fréquence il y aura cette émission là, mais. En tout cas, il y en aura de nouveau. Ouais, il y aura du sûrement sur table, il y aura d'autres émissions. Sûrement d'autres concepts, d'autres émissions, hein. Ouais, Medou qui a enchaîné du coup, mais malheureusement pour lui, ça n'a pas passé. Ouh, ça vient de toucher quand même. Ouais, dans là ça a touché encore une fois, hein. Neotix, il touche bien. Wow, magnifique. Cette fenêtre qui lui permet de mettre une très belle balle. Let's go, Neotix. Ça, c'était propre. Medou s'est trouvé enfermé, il a replace très rapidement. Et la balle derrière. Nickel. Belle exécution. Allez, let's go. Il est redescendu, oui, avec une belle balle à 30. Attention sur cette double édite. Peut-être qu'il aurait pu toucher, malheureusement. L'adversaire qui ne sera pas trouvé. Il va falloir le retoucher sur une belle balle de pompe encore une fois. Le touche encore, hein. Neotix qui touche encore, c'est bien. Ah, les petits dégâts qui sont mis. Il est excellent, il ne reste plus que 5 de shield, hein, en face. Bah ouais, et puis regarde, il a encore ses deux mini potes. Il est à 200 HP là. Oh, attention. Ok, c'est bon. J'ai eu peur du 200. Medou qui a tenté le moins 200. La maîtrise quand même, côté Neotix, très bien joué. On a notre joueur G4B Neotix face à Tibiam de la FLC. Un beau duel, les gars. Donc là, je pense que vous avez kiffé. Bon niveau et tout. Magnifique, vraiment, hein, tu es très très lourd là qui arrive, les gars. Allez, ça va arriver, on attend juste que Tibiam arrive, Neotix arrive, pardon. C'est parti, on va aller sur Tibiam du coup assez rapidement. Les gars, la prédiction a été mise, hein. N'hésitez pas à aller prédire calmement. Je vois que ça a commencé déjà à prédire, alors qu'on va aller sur Tibiam calmement se poser. Ouais, on est sur Tibiam. Non, je peux pas switch. Ah si, c'est bon. C'est bon, on est sur Tibia. Je ne vois pas les prédits. Réactualise ou alors va sur tes points de chaîne. Normalement, juste tu les auras. Ouais, ça dépend des fois. Si t'es sur téléphone ou sur PC et tout, des fois, ça, c'est pas au même endroit. Mais ouais, c'est d'actualiser et tout, comme il a dit Even. Ouais, puis F5, normalement, ça passe. Hein. Ou attention, ouais, c'est très bien joué ça pour le moment. Une belle maîtrise là. Calmement. Oh là là, attention, ça allait très très vite. Oh là là là, on n'a pas perdu de temps là du côté de Neotix. Si cette édite qui aurait pu être fatale. C'était dans. Oh, j'ai cru qu'il était mort. Non, pareil, hein. C'est pareil, hein. J'ai cru que c'était fini, hein, mais non, c'est pas dangereux. En même temps, quand il a 19 HP comme ça, ça fait peur. Là, juste une petite balle derrière et c'est fini. Il n'y a pas le droit à l'erreur, oh, et là. Bon, franchement, là, c'était compliqué pour lui. GG à lui, mais malheureusement pour lui, eh bien ça ne passera pas sur cette manche d'Eotix qui viendra à lose. Sur ce, nous on va vous laisser, on va host le frérot Kiroko. Et voilà les gars, je vous laisse. Allez, à plus. Allez, ciao tout le monde. Ciao.